Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'une maison miniature à monter soi-même que j'aime tout particulièrement. Il s'agit du studio de Kevin en 1/20e de la gamme Rolife de chez Robotime. Robotime est une entreprise chinoise qui propose depuis 15 ans différents produits do-it-yourself, c'est-à-dire à réaliser soi-même, d'excellente qualité, en particulier des puzzles 3D en bois et des maisons de poupées. Les produits sont réalisés à partir de matériaux sûrs, non toxiques et respectueux de l'environnement et font d'excellentes idées cadeaux pour toute la famille. Kevin Studio est une miniature de studio de musique. On y trouve un équipement audio comme une guitare, une basse, des haut-parleurs, un clavier électronique et un tambour africain. Le studio est éclairé par des LED et il est également entouré de plantes, ce qui le rend encore plus chaleureux. La maison est décrite sur la boîte comme un lieu plein de passion et de jeunesse, où la liberté est débridée et où des rêves extraordinaires prennent le large. Et c'est vrai que je trouve cette petite maison très inspirante. Elle comporte 164 pièces à assembler et nécessite environ 26 heures de montage, ce qui n'est pas rien, donc ça va vous demander un petit peu d'investissement. Il y a de nombreuses choses que j'aime particulièrement chez Robotime. La qualité des matériaux d'abord, nous avons à la fois du bois, du papier, du métal, du tissu et même de l'argile, afin de rendre la maison la plus réaliste possible. Une vraie attention est portée aux détails. La qualité du rendu final aussi. C'est un vrai mini monde qui s'offre à nous et qui fourmille de détails. On a envie d'y entrer, d'y découvrir ce qui s'y trouve. Et puis il y a différents niveaux de difficulté. Vous pouvez choisir un projet selon vos talents et le temps dont vous disposez. Là, c'est un projet difficile, mais il existe aussi des choses beaucoup plus simples pour débuter. Vous pouvez retrouver cette maquette ainsi que tous les produits de la marque Robotime sur le site de 1001hobbies.fr. De mon côté, je fonce m'y atteler et je vous dis à très bientôt chez 1001hobbies.